Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi également, je vais très bien. Enfin, la maman d'Alexandra est arrivée au Canada, elle a vu le corps, elle nous confirme que le corps est bel et bien le corps d'Alexandra par cette vidéo. Suivez son intervention, cette dame qui est meurtrie. Son cœur est carrément brisé, on sent la colère, la tristesse mélangée à la colère. Elle est brisée. Vous sentez directement que la famille. Je ne souhaiterais jamais ça. Et je n'aimerais même pas être sa place. Alors laissez, arrêtez avec vos jugements. Laissez cette dame pleurer son enfant tel que son esprit le guide. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Quand vous la regardez, vous sentez qu'elle est. Elle n'est plus là. Je vous laisse suivre cette vidéo remplie d'émotions. Et elle ne, malgré cela, elle ne s'arrête pas, elle remercie quand même tous ceux-là qui ont fait des vidéos, qui ont participé à la recherche d'Alexandra de près comme de loin, sur Internet, partout dans le monde. Merci à tous ceux qui comprennent la situation de cette maman. Merci à tous ceux qui se mettent à la place de cette dame et qui comprennent réellement sa douleur, qui ne s'accrochent pas juste à vouloir faire du buzz ou quoi que ce soit. Que Dieu voie nos cœurs. Suivez, je vous reviens après pour une toute petite analyse. Merci. Bon cher, vous m'avez sûrement vu absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement, mes mots, c'est de vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour. Qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille. Qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'avez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra, un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé, le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. Là, je suis à Trois-Rivières, là où elle habitait, à l'hôtel, mais demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous. Que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message c'était pour vous dire merci. J'ai reçu tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté. Merci. Merci. Merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi. Même à mon pire ennemi. Je ne souhaiterais pas. C'est qui m'arrive? Même à mon pire ennemi, même à la personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive à moi. À Dieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible a dit que Dieu, le Dieu, est seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut bon ne pas l'accepter. Mais on se plie à sa volonté. Mais pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui l'ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis
de ne pas pleurer, de prier. De prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était. Et qu'elle voit la lumière, que le Seigneur l'accompagne. Parce que je sais que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec mon bébé. Je vous dis merci. J'ai sûrement pas voulu Internet, les réseaux sociaux. Mais la tragédie m'a amenée là. Je vous dis merci. Merci au monde entier. Merci aux Africains du Canada. Merci aux Africains de l'Afrique. Merci même aux Blancs, aux Occidentaux, même aux Canadiens qui ont été là pour ma vie, qui ont prié pour qu'on la retrouve en vie. Mais je vous assure une seule chose, la justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre. Ce que je ressens dans mon cœur, personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut avoir une idée de ce que je ressens, de ce que j'ai vu en ce moment même. Mais la réalité est là. Mon bébé n'est plus. Ma princesse n'est plus. Tous ceux qui l'ont envoyé beaucoup d'amour, sachez qu'elle l'a reçu. Elle l'a reçu. Parce que je lui ai parlé. J'ai eu le temps de rester à la morgue avec ma fille. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai levé mes mains. Et j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'à toi la vengeance. Tu as dit à toi la vengeance. Que moi je ne dois pas me venger. Tu as dit à toi la vengeance. C'est moi. Si c'est toi, Dieu, qui m'a donné cet enfant, si c'est toi, Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que j'ai pris, le Dieu qui m'aide à avoir 100 francs dans ma vie, si c'est toi qui m'avais donné cet enfant, Seigneur Dieu, que ta justice divine soit faite. J'ai pas le temps pour la haine. J'ai pas le temps pour répondre à ce que ma famille me dise de gauche à droite, que les gens de mauvaise gueule disent. Non. De nature, déjà, je suis une personne qui a un mental d'acier. Oui, là, c'est vrai, je suis à terre. Mais vous tirez quelqu'un qui est à terre, c'est pas grave. Pour le moment, je vais me concentrer à chercher la justice pour mon bébé. Et elle a ramené chez elle, là où elle sera, là où elle aura une adresse, où toute sa famille, toutes ses mamans, et son oncle Francine Jondo iront le voir. Et tous mes amis. Et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Qu'est-ce que je devais venir sur Internet vous dire pendant ce temps que vous ne me voyez pas? Que je viens de vous dire que votre fille n'est plus, puisque vous l'avez vue sur Internet. Chacun de moi a une façon de vivre son deuil. Et je suis la maman d'Alexandre. Je demande à Dieu de me donner la force. Je demande au Seigneur de me donner la force. Et j'ai demandé même à ma fille, j'ai dit, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'apaiser, d'apaiser cette douleur, de continuer sans toi ma vie, mon essentiel, mon bébé. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Et pour tous ceux qui croient en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu parce que vous avez prié pour qu'on retrouve Alex en vie et que ça n'a pas été le cas. Non. N'arrêtez pas de croire à votre Dieu. Parce que c'est lui qui a voulu. C'est lui. Il a voulu et sa volonté a été faite. On a du mal à l'accepter, n'est-ce pas? On a du mal même à le tolérer. On a du mal. Mais on se retrouve devant le fait. Le fait est là. Le fait est là.
Je suis arrivée devant la porte de la morgue. On a ouvert la porte. J'ai vu mon bébé étalé. Je lui ai dit, je t'attendais. Je voulais te voir à l'aéroport. Tu n'étais pas là pour me recevoir. Tu n'étais pas là pour me faire câlin. Oh, oh, oh. Mais mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Je lui dis juste merci. Le mot que je voulais dire, c'était vous dire merci. Et continuer de mettre Alex dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de mettre ma famille dans vos prières. Je vous aime beaucoup. Peu importe qu'on ne se connaît pas. Peut-être cette tragédie fera qu'on va se connaître. On fera connaissance. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'ai dit merci. Merci au président de la République. Merci à notre héros de numéro 1 de la République. Merci à la distinguée première dame. Ils m'ont reçu et ils ont promis de m'amener ici, de m'envoyer ici pour venir suivre tout pour ma fille. Et ceux qui disent que j'ai l'argent, j'ai reçu l'argent, j'ai reçu ceci. Même une ville entière ne remplacera pas mon bébé, n'apaisera pas mon cœur. Je pensais qu'il y a des gens, on peut être pauvre financièrement, mais être pauvre en esprit, c'est tellement honteux, c'est tellement horrible. Comme je dis, je n'ai pas de place pour la haine. Là, en ce moment, c'est la tristesse qui m'anime. C'est la tristesse qui m'anime. Je vais être là pour le temps qu'il faudra et faire ce que je suis censée faire pour ma princesse avant de la ramener. Je vous aime beaucoup. Que le mot que je n'ai pas réussi à dire ou que je n'ai pas dit, comprenez-moi. Parce que j'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo. Tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. Continuez de m'envoyer vos prières. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. 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 Du fond de mon cœur. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Je vous aime beaucoup. Merci. Pitié, 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 je vous dis pitié, 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 j'ai versé des larmes, j'ai pleuré. Pitié, arrêtez de juger cette dame. Elle souffre de toute son âme, de toute son âme, elle souffre du plus profond de son cœur, elle souffre de la pire manière. S'il vous plaît. Je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont raconter, qui vont dire, s'il vous plaît, arrêtez de juger cette femme qui a un cœur meurtri. Elle est finie, elle est plus qu'à terre. Elle est plus qu'à terre, qu'est-ce que vous voulez encore de cela? Elle est venue vous confirmer qu'elle n'avait reçu l'argent de personne. De personne. Même si elle devait recevoir de l'argent de quelqu'un. Quelle est cette somme qui va remplacer sa fille? Lequel? Ni du côté Congo, RDC, ni du côté canadien, elle n'a reçu de l'argent de personne. Surtout pas en échange avec la vie de sa fille. Non, arrêtez de vous tirer le malheur. Arrêtez de vous attirer la malédiction. Cette dame souffre. Elle a fané en moins d'un mois. Ouf! Vous sentez comment elle est finie, elle a fané. Elle a quand même trouvé la force de vous parler parce que tellement que vous jacassez, vous blablotez, vous racontez des histoires, la voilà, elle a quand même trouvé une petite force pour venir vous parler. Parce qu'elle nous respecte. Si elle a fait fort, comme elle a trouvé la force de nous parler, de laisser un message, c'est parce que elle nous respecte, elle reconnaît l'effort de tous ceux-là qui ont eu à parler, qui ont eu à participer, qui ont eu à participer à chercher le corps d'Alexandra, qui ont réagi à
à son alerte. Voilà pourquoi elle est venue quand même donner un mot. Maman, que Dieu te console. Personne, alors personne ne peut te consoler à ce point où tu as été touchée, jusque beaucoup de choses dans ta vie vont changer, beaucoup. Sa manière de voir les choses va changer à partir d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Perdre un être cher, c'est quelque chose qui bouleverse toute sa vie. Oh, j'en connais quelque chose. La vie ne représentera plus quelque chose de si grave. Tu n'auras plus peur de la mort quand tu perds une personne comme ça. Tu n'auras plus peur de la mort. Tu vas te dire que la mort est tellement si proche de nous à ce point. Parce que quand vous êtes ensemble et que vous vivez, que la vie, le cours de la vie se passait normalement et tout, on a comme l'impression que ça, la mort est tellement loin de nous, que ça, c'est vraiment réservé à des gens qui sont loin. Quand tu vois des gens perdre les enfants, waouh, hey, mais elle souffrait, mais c'est arrivé comment? Est-ce que on a encore le temps de juger quand ça nous a pas encore frappé, quand ça visite nos maisons? C'est là où on réalise qu'on peut partir à tout moment. C'est là où on réalise que c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. C'est là où on vient s'imprégner réellement de c'est quoi la mort, c'est comment et pourquoi. Et cette dame l'a réalisé de la pire manière. De la pire manière. Je préférais encore voir mon enfant malade, souffrir pendant des années et des années. Et le jour où elle partira, je pourrais lui dire, bon. Dieu a décidé ainsi parce qu'elle a aussi trop souffert, qu'elle se repose un peu. Qu'elle se repose un peu, elle a tellement souffert, mais voilà qu'elle se repose, elle a, voilà. Mais de la pire manière de voir sa fille. Bon, au fait, cette maman, elle a vécu. Finalement, je commence à me dire que. C'est pas seulement sa fille qui a cette étoile-là. La maman aussi a cette lumière en elle, je crois. Parce que quand on est appelé à de grandes choses dans la vie, Dieu nous forge par des situations insupportables. Insupportables aux yeux des hommes. Au fait, cette maman, elle a traversé tellement de choses dans sa vie. Je crois que elle est appelée à des choses extraordinaires. Qu'elle ne se dise pas que non, c'est fini, ma fille est partie. Maman Rosine, retiens cette phrase. Dieu a quelque chose de très grand à faire avec toi. Et cette mission commence à partir de la mort d'Alexandre. Tu sais, quand Dieu veut te donner quelque chose, des fois on est distrait par ce que nous avions déjà. Oui, deux fois, on a un enfant, on a notre vie, et puisqu'on cherchait, on a presque trouvé. Et deux fois, quand Dieu nous parle, on est distrait. Deux fois, on ne sait plus reconnaître reconnaître la voix de Dieu qui nous parle. Parce que ce que nous avions à chercher, on s'est battu peut-être pendant des années, arrivé quelque part, on s'est dit, waouh, c'est là, on est arrivé, quoi. Mais c'est parce que Dieu attend de nous. Il veut que nous allions encore un peu plus loin. Nous allons encore en profondeur. Parce que Dieu pour lui, il a un autre plan pour nous. Et du coup, on est aveuglé parce que le peu que Dieu nous a donné, le peu là que Dieu nous a donné, le peu de stabilité, le peu de voir ma fille grandir, ma seule fille, mon seul enfant, et aller faire ses études à l'extérieur du pays, au Canada, et puis elle évolue pas mal, et on se parle, on dit, bon, c'est bon, quoi. Merci Seigneur, tu as fait. Pendant que Dieu t'interpelle à autre chose, Dieu t'appelle à autre chose, à aller encore plus loin. Et quand on se sent un peu plus rassuré, plus stable, on a presque cette sensation de satisfaction en nous, et ça nous limite, ça ne nous permet pas d'aller au-delà de ça. On s'est dit, oui, merci Seigneur, c'est ce que j'ai cherché. Mais Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu veut que tu ailles encore un peu plus loin. Et quand tu es distrait des fois, tu frappes. Ça arrive.
crois qu'en ce moment, remets-toi entre les mains de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je veux comprendre la leçon que tu veux me donner pendant ce trajet. Je veux comprendre le comprendre. Rapproche-toi plus de Dieu et comprends la voix interne, la voix de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est maintenant que ça va commencer. Tu commences une autre histoire avec Dieu maintenant, Madame Rosine. C'est maintenant que vous commencez quelque chose avec Dieu. Je crois que il y a deux possibilités. Quand une personne traverse de telles situations, elle est exposée à deux situations ou à deux thèses. Soit cette personne nie Dieu, refuse de prier, elle se dit, non, c'est fini pour moi parce que Dieu ne m'aime pas. Dieu a retiré le seul enfant qu'il m'avait donné pendant que je souffrais avec cet enfant. Déjà au départ, son papa m'avait abandonné avec la grossesse. Ma famille m'a abandonné. Je suis restée comme ça, en train de pleurer des années et des années. Je me suis forgée. Je me suis levée pour me battre. Je n'ai pas cherché à avorter. Je me suis battue pour donner de l'avenir à mon enfant que le papa avait abandonné. Et du coup, Dieu se décide à ses 21, du haut de ses 21 ans, venir retirer cet enfant qui fait carrément ma joie, Seigneur Jésus, qui comble autant mon cœur, ma honte de la jeunesse, de mon adolescence. Nous qui avons eu des enfants dans notre adolescence, là, je vous dis, c'est pas facile, hein. On t'insulte d'une manière, on te traite de pute, on te jette tout ce qu'on peut te jeter. Je t'ai dit, ça peut même changer ta manière de faire les choses. Mais au fond, tu n'as même pas été pute de toute ta vie, même pas dans tes pensées. Et voir ton enfant grandir, c'est quelque chose de... Je ne sais pas comment dire, comment je peux qualifier ça. C'est un accomplissement le plus grand de sa vie. C'est comme si tu accomplissais quelque chose. Tu te dis, je n'avais pas une raison de vivre. Enfin, voilà une raison pour moi de vivre. De continuer à espérer. Que Dieu peut toujours faire. Donc, en une chose, ou en ton enfant, tu as tout un témoignage de toute une vie. Tu peux bien dire aux gens, raconter aux gens, attendez, je veux vous raconter une histoire. Tu sais, moi, l'homme qui m'avait engrossé m'avait abandonné, ma famille m'avait abandonné. Mais regarde, Dieu ne m'a pas laissé. Regarde ce qu'il a réalisé. Ma fille, vous voyez là. C'est un trophée, en fait. C'est un trophée. Et on te l'arrache pendant que tu t'attendais le plus moins possible. On te l'arrache comme ça. Elle est partie pour ne plus jamais revenir. Ça ne restera qu'une histoire à raconter aux gens. Juste une histoire à raconter aux gens. Ouf! Seigneur! Pitié! Juste une histoire à raconter aux gens. Rien d'autre. Et vous jugez une dame comme ça. Vous jugez une personne à terre comme ça. Madame, et la deuxième possibilité, c'est que soit cette tragédie va t'emmener à te rapprocher de l'Éternel, de faire de lui ton tout pour tout et de comprendre que sans lui, tu ne peux rien faire. Il devient ton tout dans tout. Tu t'attaches maintenant à Dieu d'une autre manière et ce Dieu-là va t'étonner. Le Dieu puissant va t'étonner. À toutes les mamans qui ont des enfants, des uniques enfants, jusque-là, le seul. Ma chère, mes chères, mais je sais que ce sont pour nous des trophées. Même ceux qui ont des enfants, qui ont plusieurs enfants, parmi vos enfants, il y en a ceux qui se distinguent, qui font des histoires qui vous plaisent, qui fait la joie de vos cœurs. Faites très attention. Faites très très attention sur le réseau. Ceux qui nous voient,
ne sont pas contents de nous. Ce n'est pas seulement ceux qui nous connaissent, même des inconnus qui ont raté l'éducation de leurs enfants, qui ont raté l'instruction de leurs enfants, se mettent à nous haïr pour rien, sans raison. Sans raison, je vous dis. Sans raison. Le réseau là que vous voyez renferme tellement de sorciers, de haineux, de gens bizarres. Et nos ennemis nous attaquent plus sur les réseaux sociaux. C'est plus sur les réseaux. Quand ils sentent que c'est là où se pose votre cœur, c'est là où ils viennent frapper. Il y a des gens qui cherchent le sang des filles comme ça, uniques, qui cherchent les étoiles des enfants des autres pour l'utiliser. La sorcellerie n'a plus de frontières. La maman avait montré à la face du monde l'amour qu'elle avait pour sa fille. L'amour qu'elle avait pour sa fille, combien Dieu lui avait comblé. Et les gens mauvais se sont levés. Maman, que Dieu te fortifie. C'est tout ce que je peux te demander. Arrêtez de juger cette dame. Laissez-lui faire son deuil comme bon lui semble. Laissez-la faire son deuil comme bon lui semble. Laissez au moins la pitié, je vous en supplie. Elle n'a même plus la force de parler. Comment voulez-vous vous attaquer à une personne qui n'a même plus de force? Elle est à terre. Elle est finie. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus de raison de vivre en quelque sorte, s'il faut le dire. Elle vit pourquoi? Elle ne vivait que pour sa fille. Elle vit pourquoi aujourd'hui? Mais elle continue elle s'attache à Dieu. Elle continue à croire. Laissez-la vivre. Laissez-la faire ce qu'elle sait que son cœur lui demande de faire. Je demanderai à son mari, « Papa, garde bien cette dame. Je sais. Garde bien votre femme. Je sais que l'Éternel va vous visiter. Même avec des jumeaux, Dieu va vous visiter. Une fille et un garçon. Ça sera une fille et un garçon. Ce jumeau-là. Remplis-la de l'amour. Je sais qu'elle aura des sauts d'humeur. Beaucoup de choses vont changer dans sa vie. Sa manière de faire. Peut-être que ça va lui prendre, son deuil pourra lui prendre beaucoup de temps que prévu, que vous allez vous imaginer. Mais s'il vous plaît, ne la jugez pas. Laissez-la finir son deuil. Si vous interrompez son deuil, vous allez la tuer. Vous serez de la perdre. Entourez-la de beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Je commence par le papa parce que c'est celui-là qui traverse tout avec cette dame. Et félicitations à vous, papa, d'être là à côté de votre femme. Malgré tout ce qui se raconte sur les réseaux, vous êtes là. Vous êtes arrivé au Canada. Papa, félicitations. Voilà un homme. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous montre ce que vous devrez faire pour votre femme. Chérissez-la encore davantage. Aimez-la encore davantage. Que tout ce qui se raconte sur le réseau ne vous affecte pas. Que tout ce qui se raconte sur le réseau ne vous affecte pas. On s'en fout de comment vous vous êtes aimé. Pour l'instant, là, on s'en fout. On a besoin de l'amour. Pour cette dame, plein de cœur, plein d'amour. Moi, je vous le renvoie. Ce que je ressens dans mon cœur, je vous le renvoie, maman, Rosine. Je suis une mère qui n'a qu'un seul enfant jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai eu aussi dans mon adolescence. Je comprends vos douleurs, vos sacrifices de nuit et jour. Et on ne parle que de la maman, mais de ce papa qui a adopté Alexandra. Félicitations, merci papa. Tu as été un père pour cet enfant de son vivant. Depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu n'abandonnes pas sa maman. Vous avez vu ce que les autres personnes n'avaient pas vu. Même la famille de cette dame n'avait pas vu. Vous avez vu ça. Vous étiez là à côté de cette dame. Depuis que Alexandra était enfant jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de vous. À cause de vous, que Dieu bénisse vos enfants.
Parce que votre femme est passée pour dénigrer cette dame qui souffre, qui pleure, qui est à terre comme ça. On n'assomme pas une personne qui est à terre. Ça attire la malédiction énorme. Ça attire la malédiction. Donc, je m'en fous de ce que vous allez raconter. Elle avait fait ceci, elle avait pris le mari. Moi, ce n'est pas mon problème. Pour l'instant, on ne va pas régler ce problème-là. Il fallait régler ça avant la mort d'Alexandra. Maintenant, là, on ne règle pas ça. Vous, les parfaites, là, menez vos vies parfaitement. Et que rien ne vous arrive alors. Et que rien ne vous arrive jamais. Menez vos vies, vous, les parfaits, les parfaits, les parfaites, là. Menez vos vies. Comme vous, vous n'avez jamais fait du mal. Comme vous, vous n'avez jamais péché sur cette terre. Gloire à Dieu, laissez-nous les pécheurs là, mener aussi notre vie. On va la soutenir jusqu'en... Il fallait traiter vos problèmes là en dehors de la mort d'Alexandra. Si vous prenez cette mort pour cibler sa mère, que Dieu vous maudisse. Et félicitations à son mari. Papa, merci. Merci encore. Soutiens ta femme et Dieu va vous visiter. Soutenez votre femme, papa. Soutenez votre femme. Avancez. Un jour, vous allez vous rappeler de cette vidéo. Cette dame Rosine aura des jumeaux. Une fille et un garçon. C'est là où Dieu va le combler. Maman, force à toi. Le réseau, les gens ne font que jaser, jacasser et blabloter. C'est tout ce qu'ils savent faire, rien d'autre. Vous êtes une femme très forte. Vous êtes battue avec votre enfant jusqu'à aujourd'hui. Malgré Dieu, on est décidé ainsi. Mais je sais qu'il y a une mission que Dieu va vous donner. Dispose-toi, dis à Dieu, Seigneur, maintenant je suis disposé de faire cette mission que toi tu m'as donné sur terre. Vas-y, sois attentif à la voix de Dieu, car Dieu va te communiquer quelque chose. Dieu va te communiquer quelque chose. Et fais-le tel que Dieu va te demander de le faire. Si grand que cela pourrait... représenter. Fais-le comme Dieu va te demander. Et Dieu va se visiter. Vraiment, je félicite encore ton homme. C'est un homme qui t'aime sincèrement. Et que Dieu vous bénisse, que vous restez le plus longtemps possible. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Maman, sois forte. Avance. C'est dur, je sais. C'est très dur pour toi. Nous t'envoyons de cœur. Nous t'aimons. Nous te soutenons. Nous serons là, en union de prière, on va prier pour toi aussi. Que Dieu te fortifie, que le Saint-Esprit, la paix qui surpasse toute paix, que le Saint-Esprit te vienne lui-même se déposer dans ton cœur et te donner la paix qu'il faut. Merci beaucoup.